La parenthèse et je donne la parole au président Beauchamp. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, en effet, la motion intéresse le maintien et le développement de la gare de triage de Somain, qui était promise à un avenir au moins national, au moins européen, et qui comptait il y a 4 ans encore 400 salariés. En 2013, la CCCO, mais effectivement le président de la CCCO pourra en dire davantage que moi, a engagé une étude afin de redynamiser le fret ferroviaire à Somain, une étude qui laisse entrevoir de belles perspectives pour le site. Perspectives qui faisaient l'unanimité, les organisations syndicales, les élus dans leur diversité, l'État et la SNCF. Je dis « faisait » parce que tout récemment, la SNCF a annoncé sa décision de fermer le site, décision brutale et inacceptable. D'autant que l'État est engagé à plusieurs niveaux. D'une part, l'emploi. Je citais les 400 salariés il y a 4 ans. Il en reste 30 aujourd'hui. Donc, il y a là un vecteur d'emploi potentiel. Le deuxième, c'est l'aménagement du territoire et le développement économique. L'industrie automobile, tant dans le Douaisis que dans le Valenciennois, ont à y gagner, comme l'industrie verrière dans la commune d'Aniche. Et cette gare est donc véritablement un atout industriel, également dans la perspective du canal Seine-Nord-Europe. Et notre collègue, notre ancien collègue Jean-Claude Quesnon, l'a à plusieurs reprises rappelé sur ces bancs. Alors, un moratoire sur la fermeture a été annoncé par l'État. Toutefois, il est urgent que la SNCF revienne sur sa décision et tienne ses engagements, et que l'État, lui, intervienne auprès de la SNCF pour une reprise de, la mise en œuvre du projet. Voilà tout le sens de la motion. Et pour terminer, je dirais que les organisations syndicales organisent samedi à 10 h à Somain une manifestation justement pour que la SNCF et l'État tiennent leurs engagements. Je ne peux que vous y inviter, Monsieur le Président et chers collègues, nombreuses et nombreuses, à participer à cette manifestation.